Salut les stations fréquences, les mentions 1351 à vous tous de la part de Dandy 33 et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Alors comme à chaque fois, une petite vidéo pour commencer et on est le samedi 6 février 2016. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence ? Ah, j'ai entendu quelqu'un là derrière. C'est toi Philippe que j'ai entendu. Voilà, c'est très très QRP là de mon côté, là c'est pas évident là à sortir. J'en profite par la même occasion, tu as les 73-51 de Pascal, 14 Hultel Foxtrot 056. Ok, je lui dis de suite. Voilà, ça y est, c'est fait. Message envoyé. Bon alors, est-ce qu'il y a d'autres stations là dans le QSO ou alors est-ce que tout le monde est parti devant la télé? 14 Victor Eco 27 Social, bonsoir à tous. Ok Eric, eh bien il y a Philippe justement toi là comme hier soir qui était en train d'attendre là le top départ. Voilà, et en même temps je viens de lui envoyer une invitation là sur Facebook, il a aussitôt accepté. Et oh putain, quand tu prends une invitation, t'en as d'autres qui tombent dessus, quoi. Hachi. Ouais, salut Philippe, 63-51, j'espère que tu vas bien, mais c'est toujours aussi clair que bon, hein. Ok, bah si, on t'écoute quand même, hein, il n'y a pas de problème, hein, il nous suffit simplement de monter le volume, hein, il n'y a pas de problème, ça on peut faire, hachi. Bon alors, est-ce qu'il y a d'autres stations là qui sont en train d'arriver là doucement? Bon, il y a Philippe, il y a Eric, les autres OM en avant. Hier soir, il y a eu Pierre-Michel qui s'est signalé. Il y a eu une station du 24 aussi de Périgueux qui s'est signalé après qu'on ait QRT. J'étais resté un petit peu là en stand-by, comme ça, là, un peu, là, histoire de laisser refroidir le matériel, un peu, on va dire, là, avec la ventilation. Et du coup, là, pendant ce temps-là, il y a une station du 24 Périgueux qui s'est signalée, qui est rentrée en contact avec Carlos, le Carlos qu'on a sur le forum. Si tu vois de quel Carlos je veux parler, Eric. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut penser aussi qu'il y a nos amis des stations des Pyrénées aussi. Oh putain, oui, tu as raison. Les stations des Pyrénées, le département 65, est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Est-ce qu'on va arriver à vous entendre? J'entends rien de mon côté là, si ce n'est peut-être quelque chose, mais c'est beaucoup trop noyé dans les QRM pour moi. Là. Ouais, pour l'instant c'est pareil. Ouais, voilà. Bon, je sais pas si on aura Bernard là ce soir. Bon, hier soir il nous entendait, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, hélas, il n'est pas assez de jus là pour qu'on puisse sortir. Est-ce
y a d'autres stations qui sont à l'écoute, voilà, je laisse un petit blanc. Bon, Philippe, je viens de t'ajouter au groupe, hein. J'ai un QRM de 4 de mon côté, là je sais pas, j'arrive pas à entendre s'il y a quelqu'un. Pour le moment, je ne t'aperçois, à part nous deux, et puis je soupçonne Philippe. Ouais, il est dernier là avec nous. Bon, j'ai l'impression que les autres OSEM doivent être certainement QSO là sur d'autres fréquences. Bon, c'est pas grave, ça occupe la fréquence, c'est le principal. Enfin, ça occupe d'autres fréquences en même temps, c'est ce que je veux dire, quoi. Oui. Tu m'étonnes, Radio 5, Santiago 6, 5-6. Eh bien, tu verras ça dans la vidéo, justement, pas ce soir, demain soir, tu verras ça. Ah ben là, oui, c'est le jour et la nuit. Ok. Ouais, j'ai mis un petit peu plus de puissance, on va dire. Ça doit aller mieux. Moi, je vous écoute très bien. J'ai perdu son prénom, il arrive à 53, 54 ici, l'autre M. Et pour toi, Rémi, tu es 52, 53. Ok, ben c'est déjà pas mal ça, vu la distance. Ouais, moi aussi, hein, j'ai ce qu'il faut pour motiver un peu la propague derrière. Ouais. Bon, ça passe pas plus, bon, c'est pas grave. Du moment que tu m'entends, c'est le principal. Ouais, bon, j'écoute bien là, pas de soucis. Je te remercie pour l'invitation sur Facebook, là, j'ai accepté il y a quelques minutes là. Je te remercie. Bonsoir, j'espère, parce que j'ai fait ce qu'il faut quand même. Hein. Disons que l'ampli est branché sur la directive en général. Donc là, j'ai inversé la directive et je l'ai enlevé, j'ai branché la verticale sur l'ampli pour voir ce que ça donne. Par contre, j'ai jamais testé, donc je ne sais pas si c'est bon. Voilà, mais je peux pas faire mieux là. Ah ben, ouais, je te dis, c'est le jour et la nuit, là, il n'y a aucun problème, hein. Là, ça passe très très bien, à côté de tout à l'heure, ça n'a plus rien à voir, voilà, impeccable, là, on roule plus de plus rien. Alors, on va rester comme ça, alors. Ok, puisque là j'ai en même temps en parallèle Pascal qui tout à l'heure il me demandait de t'envoyer de sa part les 2751, et vu comment là tu passes bien maintenant, si tu veux là tu peux lui retourner là direct, ça sera enregistré là comme il faut proprement sur la vidéo. Là. Ok, mais c'est gentil. Mais Pascal, je te souhaite toutes mes 73 en espérant t'écouter très très bientôt là, 73 de Philippe sur le département 40. Salut, moi j'en profite aussi pour Pascal, les invités Pascal, j'espère que tu vas bien et j'espère qu'on va te voir pour Radio Brock. Voilà, je sais pas, c'est Pascal 14HF 056, voilà pour l'indicatif. Oui, oh putain, hey, tu parles de ça. Si hier soir au niveau local c'était assez calme, par contre sur le reste de la France ça a pas mal bougé, hein, puisque avant de commencer le QVSO hier soir, bon, j'avais fait le ménage dans mon courrier, j'étais rendu à zéro. Ce matin je regarde 70 emails provenant de Facebook et justement concernant le canal 27. J'étais vert. Ouais, je reprends alors, ok. Mais c'est génial, ça prouve que ça tient assez du monde.
Ah oui, oui, oui. Et puis c'est vrai qu'il y a des fois, j'aurais bien envie de faire une pause côté vidéo, mais c'est un vrai moteur. Et toi, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui me dit comme ça, ben, on n'a pas la vidéo de cuisson d'hier soir. Ben oui, mais bon, là, ce week-end, là, je bosse en journée. je peux pas avancer aussi vite que je veux, là. Habitué maintenant, et puis c'est vrai que ça permet de garder le contact. Hein. Oui, affirmatif, surtout que ces vidéos, ça, c'est un vrai moteur, quoi. Puisque là, de plus en plus de gens s'y mettent à faire le QSO de leur côté. D'autres, ça leur donne envie justement de sortir leur vieux poste des cartons. Et j'ai vu ça justement là sur le forum de Pascal. Pascal 14ODR001. Puis voilà, puis ça fait son petit bonhomme de chemin, quoi. Voilà, c'est le but, hein. J'ai même vu des messages, d'autres ont l'intention sur leur secteur de le faire tous les soirs ou le plus souvent possible. Alors tu vois, comme quoi là il y a des mordus, quoi. L'affirmatif, c'est, de toute façon, c'est fait pour ça, hein. C'est le plaisir de la radio, voilà. Allez, on va retourner à notre ami, le micro. Oui, en avant, Philippe. J'attendais, il y a des stations qui appellent derrière. Bonjour, le département 31, allez-y. C'est à la 100%, Sylvain, content de te retrouver ici, là. 14 Alfa Romeo, 2555, Sylvain, département 31. Je suis en compagnie de Eric, de Rémi, pardon. Rémi, Dundee 33, et de. Eh bien, j'ai perdu le prénom, c'est peut-être Eric d'ailleurs. Sur le département 33, là. Voilà, je vais repasser le micro à Rémi. Je ne sais pas si tu entends Sylvain sur le département 31, là. Retour Rémi. Ok, ben hélas, non, pas pour le moment. Les 2113-51 Sylvain, voilà, de la part de 14ODR002, QRZ local, Dandy 33, opérateur Rémi, voilà, en compagnie de Eric, 14 Victor Eco 27, qui lui est sur le sud de Bordeaux. Retour Sylvain, si tu m'entends. Ok, oui, je me souviens bien. Et Sylvain, dommage que tu m'entends pas, mais si tu passes plus fort en mobile qu'en fixe, ça la fout mal quand même, là. Hachi. Je me plains pas, je suis bien placé, je suis sur les hauteurs aussi, sur une petite colline là.
bien dégagé 360 degrés, donc ça me permet de faire des contacts assez intéressants. Mais bon, en général, j'utilise jamais la verticale. Hein. C'est vraiment très très rare. En général, c'est tout en directive. Voilà, pour. Mais je sais pas, on va laisser quand même un petit blanc. Mais je vais pas faire le chef du QSO. Mais on va laisser un petit blanc, voir s'il y a d'autres stations qui veulent se signaler. Tout à l'heure, j'ai entendu deux autres OM qui étaient en QSO, une ou deux minutes. Là. Le QSO a démarré une ou deux minutes avant ce QSO-là. Donc, je sais pas, est-ce qu'ils sont partis ou est-ce qu'ils sont derrière à l'écoute. Hein, je sais pas, on va laisser un blanc, voir s'il y a du monde derrière. Allez-y. Je reprends le micro, moi, c'est Eric. Voilà, je salue Sylvain, je ne sais pas s'il m'entend. Je lui envoie les bonnes amitiés. Hein. Et puis, voilà, retour au micro, tu me feras le QSP. Je te remercie. Ouais. Ok, ouais, il y a une station qui s'était signalée. Sylvain, tu as les amitiés de Eric, 14 Victor Eco, 27, département 33. La station derrière, allez-y, on vous écoute. On a pu remarquer que bien souvent, c'est après la vidéo que les OM arrivent. Bon, c'est pas grave. Oui, mais je l'écoute, mais comme il avait retourné le micro à Rémi, je pense qu'il m'écoute à moi, mais qu'il n'écoute pas Rémi. Il a dû confondre les deux. Il retournait le micro à Rémi, donc j'ai pas repris. Rémi, tu as derrière, il y a Ahmed, j'ai mangé le prénom, je ne l'ai pas noté. Je crois que l'indicatif c'est que 14 Mike Hotel, mais je ne suis pas sûr. Sur le département 32, le Gers, pas très loin de chez moi, mais j'écoute Petit. Hein. Voilà, qui s'est donc manifesté et qui te retournait le micro, je pense qu'il m'écoute à moi, mais qui t'a confondu. À toi Rémi. Ok, département 32, eh bien on s'élargit. 14 Mike Hotel, attends, département 32, attends que je regarde là sur une carte. Département 32, il est, attends deux secondes, je suis en train de regarder un petit peu là sur une carte où c'est qui. Ah oui, d'accord, ok. Eh mais département 32, oui, effectivement, j'ai vu ça sur Facebook. Il y a un OM qui cherche justement là, qui voudrait faire partie du QSO, mais il n'y a aucun problème, hein. Tout le monde est le bienvenu, là. Tous les départements sont bienvenus, après, bon, c'est la PROPAC qui décide, et bon, c'est du grand local, il n'y a pas de souci pour nous, hein, bien au contraire. Ok, mais je reprends là, ouais, j'ai pas noté le prénom, je vais lui repasser le micro là. La station du département 32, ici l'opérateur est Philippe sur le département 40 là. Je vous repasse le micro, voir si vous m'écoutez avec le. Si vous pouviez me donner le prénom, j'ai oublié de le noter là, retour. Thank you.
repasser à Rémi, et puis je vais vous laisser continuer. Là, j'écoute derrière, je reprendrai le micro, mais je ne vais pas monopoliser parce que là, j'arrive et je monopolise un petit peu. Donc, Rémi, c'est 14 Mike Hotel et le prénom est Francis sur le département 32. Je te repasse le micro, Rémi, tu fais tourner à Eric et puis je reste à l'écoute, je vais essayer parce que je monopolise depuis tout à l'heure, excusez-moi. Ah non, au contraire, là tu m'arranges. Là, au contraire, tu m'arranges le coup parce que habituellement tout le monde me retourne le micro. Et moi non plus, je suis pas le capitaine du QSO. Il n'y a pas de capitaine dans le QSO. Au contraire, là tu prenais le micro. Au contraire, tu donnais un petit peu la directive au QSO. Alors là, c'était parfait. Moi, j'étais que content là. Comment je parle là du coup hein. Alors, bien au contraire. Oui, alors, et tiens, puisque là, on t'entend mieux maintenant, là, c'est génial. L'autre soir, hier soir, tu nous parlais de construction d'antennes. Alors, est-ce que tu as des noms d'antennes bien précis à donner, justement, à nous donner, là, parmi là, les constructions que tu as fait, là, juste les noms qu'on puisse les rechercher après sur Facebook, sur n'importe quoi, oh, la pub, sur Google. Oui, oh ben, c'est des types d'antennes genre Yagi, antenne Yagi, Yankee Alpha Golf India, antenne Yagi, directive toute simple, standard on va dire. C'est le type d'antenne que je construis là pour le 27 mégas. Après pour les autres fréquences comme le 446 mégas, là je fais un petit peu de PMR de temps en temps. J'ai construit et j'ai monté d'ailleurs ce matin sur le pylône, à peu près 15-16 mètres du sol, j'ai monté une antenne Quali, 9 éléments. Alors c'est un mélange de quad et de Yagi. Il y a deux éléments, le réflecteur et le radiateur en quad, et le reste donc ce sont des éléments Yagi tout simplement. Voilà. Après des noms d'antenne, il n'y a pas vraiment de nom, hein. C'est juste un type d'antenne. Si vous tapez antenne Yagi, vous allez trouver tout ce qu'il faut sur le net là. Rémi, retourne. D'ailleurs, mais tu es sur la page Facebook là, sur ma page d'accueil, tu as la photo de mon antenne Yagi, la 8 éléments pour le 27 mégas, tu l'as sur la page d'accueil en haut là. Ok, alors ouais. Pendant que je suis en train d'écrire, oui voilà, parmi les constructions que tu as fait, pour toi, quelle serait la meilleure de tes réalisations hein? Pour toi, on va dire que la 8 éléments, pour moi, ça reste la meilleure de toutes les antennes que j'ai eues, puisque c'est la plus grande, donc c'est celle qui a logiquement le plus de gain, le meilleur rapport avant-arrière pour une directive. Après, pour ceux qui, si j'ai un conseil à donner, une 5 éléments fonctionne très très bien et je pense que c'est l'antenne que tout DXeur devrait avoir. Bon, après, je sais qu'il y a des fanatiques de groupes de cubical quad, hein. Alors je peux pas critiquer ni quoi que ce soit puisque j'ai jamais utilisé de cubical quad. C'est pas vraiment le style d'antenne que j'utilise, mais ça a l'air d'être assez performant quand même très très performant. Moi c'est uniquement le type d'antenne Yagi, et donc là j'ai fabriqué des 3 éléments, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, des 5 éléments je ne les compte plus. Et voilà, 6, 7 et 8 éléments au bon maximum là, et l'antenne que tu peux voir sur la photo sur Facebook, donc elle mesure 18 mètres de long et elle est à peu près à 14 mètres 50 du sol. Voilà pour les antennes de réalisation OM, Rémi, retour. Ah oui, bah tu m'étonnes, en voyant justement, elle est magnifique, hein. Ah ouais, là c'est du bon boulot, hein. Ouh là, ouais. C'est du boulot de professionnel, ah ouais, carrément quoi. D'ailleurs, je me suis empressé là de la partager là sur le groupe. Il y en a, ils vont être verts là, ils vont baver de jalousie. Oui, allez, je vais te donner une dernière petite info, comme ça tu pourras voir exactement le matériel. J'ai un site internet, un site perso là, tout simple.
savoir exactement ce que j'utilise comme matériel, que ce soit au niveau de la radio comme les antennes. Donc il suffit de taper, alors l'adresse du site c'est http://14rc021.web.com. Voilà, ça c'est l'adresse du site, et là tu pourras voir l'OM en photo d'ailleurs je crois, et puis le chaque radio et les antennes, etc. Ok, d'accord, voilà. Web avec un S, j'ai tapé ça dans Google. D'accord, ok. Ah ben là, je vais garder ça sous le coude. Voilà. Est-ce que tu m'autorises à partager justement ta page également là sur le groupe ? Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, il n'y a pas de problème. Sinon, j'aurais pas mis un site en ligne comme ça. Non, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Et tu pourras découvrir également ma seconde passion qui est la moto que je fais depuis déjà pas mal d'années, autant sur route que sur circuit là maintenant depuis un petit peu plus d'un an. Voilà, j'ai également mis des photos sur mon site radio à la fin là, ok. Ok, d'accord, mais bon, si j'ai une moto, j'ai une Transalp 700. Voilà, bon, c'est pas du tout la même catégorie par rapport à ce que tu viens de m'annoncer. Alors, je suppose que tu dois aller courir de temps en temps là au circuit de. C'est Nougaro, je crois, là, qui est pas très loin de chez toi, là. Oui, tout à fait. Je tourne principalement là, puisque je fais partie du club de Nougaro. Donc, oui, tout à fait. Mais j'ai une sortie le week-end prochain. Je vais pas y aller parce que je n'ai pas encore pris la licence pour cette année. Je suis un peu en retard, mais bon, j'irai pour la prochaine sortie. Hein. Voilà. Oui, oh, ben, je connais le Transalp. J'ai eu un Transalp à une époque. C'est sympa comme moto pour se balader. Là, j'ai bien apprécié. Là, c'est sympa. Mais voilà. Sinon, sur la route, je roule avec un Suzuki, un 1250 Bandit. Et pour le circuit, j'ai toujours un Suzuki, un 600 GSX-R. Voilà. Retour, Rémi. Ah oui, quand même. Attends, je vais faire un petit retour là du côté d'Eric, hein, en laissant un petit blanc là, parce que bon là il doit piétiner derrière là, en train d'attendre avant de pouvoir prendre le micro. Retour Eric. Ok, mais il n'y a pas de problème. Il est où le blanc ? Il n'y a aucun souci, voilà. Oui, est-ce que je voulais dire quelque chose ? Je ne sais plus ce que c'était à propos de. Ah oui, on veut proposer des antennes et tout ça. Je crois que c'était. Apparemment, tu tournes sur. J'ai vu que tu m'as dit que c'était une directive que tu avais de 7 éléments, 7 ou 8 éléments, c'est ça ? Oui, c'est de 8 éléments. Ok, d'accord, ok. Oui, parce que tu fais, je m'as dit que tu es personnel, c'est une bi-quad que tu dois connaître. Oui, ok, oui, je connais, il n'y a pas de souci, oui, mais ça fonctionne bien, ça reste comme un thème. Oui, je suis sur PMR, bon, il n'y a pas longtemps, j'ai un petit poste mobile, j'ai également un petit portable là, et puis voilà, je réalise, ben, je trouve ça sympa parce qu'on peut expérimenter tout type d'antenne, puisqu'elles sont assez réduites, on va dire, et là j'ai une 9 éléments pour les fréquences de PMR, elles mesurent que 1,60 m, donc c'est. Ça prend vraiment pas de place, et puis j'ai une petite verticale cardonde sur le toit du QRA qui mesure 18 cm de haut à peine là. Voilà. Et le plus grand contact en PMR pour l'instant, c'est environ 130 km. Et j'espère en faire mieux prochainement là. Mais je débute, au niveau PMR, je débute il n'y a pas longtemps là, ok. Ok, Jessica, qu'est-ce que tu utilises, un Baofeng hein? Ah, j'ai un Baofeng UV3R pour le portable, le petit pocket. J'ai un QYT8900, c'est un poste mobile qui sort 20 watts du VHF UHF, 25 watts VHF et 20 watts UHF là, ok. Ah ok, ouais, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, moi j'ai un Baofeng UV5R que j'utilise, voilà, et puis l'antenne, comme je te dis, j'ai une bi-quad qui est de fabrication artisanale pour le 446 et qui fonctionne très très bien, voilà. Allez, je retourne le micro à Rémi, et moi je vais vous laisser deux petites minutes et je vous rejoins.
D'accord, ok. Mais hey, vous avez fini par me donner envie là tous les deux là. J'ai aussi un petit pocket là de PMR là de mon côté. Mais bon, j'ai rien moi là sur le secteur à part une entreprise que j'entends là de temps en temps, des gamins aussi que tu dis ça quand on eu ça pour Noël, que tu dis ça comme nous on utilisait ton gamin hein, avec des Takiwaki 27 mégas. Mais bon, c'est tout ce que j'ai là sur le secteur. Hein. Ok, bien reçu. Et justement, tiens, parce que tu me parles des Pyrénées, bon, c'est sûr que là, tu es avantagé là, pour avoir les stations des Pyrénées, ça, il n'y a pas de souci. Mais cette chaîne des Pyrénées ne te gêne pas pour avoir, par exemple, la Réunion, entre autres, ou alors quelques OM qui sont sur le Maroc, entre autres. Enfin, ces coins-là, ça te blague pas trop, non? Ça arrive à bien passer quand même par-dessus? Ouais, d'accord. Alors là, moi, je pourrais... c'est vrai qu'ici, là, j'attrape très facilement les Espagnols. Mais de là à te dire de quelle région ils sont exactement au niveau de l'Espagne, là, je serais bien incapable de te dire, parce qu'à part le français, je parle rien d'autre. C'est bien ennuyeux, ben, j'ai qu'à m'y mettre aussi, hein. Ok. Et... là tout à l'heure, je saute du coq à l'âne, je reviens justement là aux antennes. L'une de tes meilleures réalisations, c'est celle que tu as là en photo justement là sur ton profil, c'est bien ça quoi. Oui, tout à fait. Et au-dessus, on ne la voit pas sur la photo, mais au-dessus, il y a une verticale, une Alcon 99 que j'utilise là actuellement. Oui, elle est cachée par l'indicatif. Hein. Alors, attends, je reclique dessus, parce que là, en plus, c'est pratique, puisque je l'ai mis en partage. Ouais, effectivement, là, on voit... Ah, si, en dessous, juste... Quoique... Non, là, il n'y est pas. Sur la photo, il n'y est pas, là, j'ai pas l'impression. Je vois pas la continuité, là, de... sous l'indicatif, là, de l'antenne. Tu l'as peut-être pas encore mis, là, à ce moment-là. Effectivement, je viens de regarder, non. Sur la photo, elle n'y est pas. Sur la photo, elle n'y est pas, mais elle y est actuellement. L'antenne n'a pas changé. Si j'ai apporté quelques modifications au niveau de l'aubanage du boule là, pour éviter que ça prenne trop, j'ai rajouté des aubans sur les côtés. Mais actuellement au-dessus, j'ai l'antenne, donc la 9 éléments pour les fréquences PMR. Et encore au-dessus, puis j'ai l'antenne 99 là, ok. Ouais, d'accord. En tout cas, là, je vois ta cage à rotor. C'est vrai que tu as eu raison de faire ça. Hein.
Je vois pas mal d'OM qui mettent leur antenne directive directement sur le moteur, comme ça. Donc, ils se prennent un rotor 30 ou 50 kilos, pensant que ça va suffire. Alors que là, je vois la TFU cache à rotor. Ah ouais, non, mais c'est indispensable. Hein. C'est vrai, tu as raison, hein, c'est vraiment indispensable. Hein. Oui, le break, allez-y, bonjour, bonsoir. Oui, oui, je vais vous parler de l'opérateur de l'État. Et nous allons rendre un travail à l'État sur la maison La Grenade. Ok, ok, Eric, 73, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je t'avais pas entendu. C'est fini que sur le département 40, là. Ok, Eric, retour. Oui, salut Philippe, le 13, le 14, il y a une question sur 4-3-8 sur la ville de Paris. Voilà, il n'y a pas de problème. Et derrière le 4-4-0, la ville qui est derrière là. Voilà, mais d'ailleurs, il y a un autre micro, à toi Eric. Ok, j'ai un petit peu de mal à te sortir là, Eric, là, de ouais, Langon, hein, c'est bien ça. Hein. Les bonnes sont 1351 Eric, ouais, de la part de Rémi, QRZ local, d'Andy 33, indicatif 14ODR002, en fixe sur Sainte-Colombe, nord-est Gironde, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille, voilà, pour être plus précis. Ouais, c'est Rémi que tu veux dire? Tu veux dire moi? Ouais, c'est vrai que là j'ai du mal à écouter, Eric, là, de mon côté. Là, là c'est pas trop, c'est pas vraiment, vraiment évident, quoi. Ok, ben tu vois, de mon côté, j'ai pas entendu, là, c'est bien dommage. Là, ça m'aurait bien fait plaisir de pouvoir parler un petit peu à la ville de Marseille, surtout là pour le QSO du canal 27. Hey, tu sais qu'à l'origine, le QSO du canal 27, il est fait pour favoriser les QSO locaux. Ouais, bon, hey, toute la France, après tout, hein, c'est un grand QSO local. Hein. Chie. Il y en a, mais bon, on les écoute très rarement.
malheureusement. Et puis la plupart du temps. Enregistrez le break. Ok, mais non, moi c'est pareil. D'ailleurs, là j'étais en train de prendre note justement là, des endroits, des indicatifs pour ajouter ça justement à la liste. Et ouais, parce qu'à chaque fois, bon, j'ai fait un petit CR, un petit compte rendu là vite fait comme ça, un peu des stations qu'il y a, des endroits qu'il y a. Ça plaît bien quoi. Non, justement, et puis là je suis un petit peu jaloux parce que justement Philippe il a même entendu 14 Charlie 13 de la ville de Marseille. Alors c'est pour dire que là il est bien placé. Hein. Philippe, si un jour tu déménages, tu nous préviens, hein. On arrive vite là. Et puis je vais retourner le micro et puis tu feras tourner l'arrivée.
Ok, bah ce coup-ci, je réussis à t'entendre, 14 et Yankee India 438, voilà, QTH Bazas. Il n'y a pas de problème, Eric, les bonnes sont 1351 à toi. Voilà, là, j'arrive à te sortir, là, ce coup-ci, là, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce que tu as fait, tu as dû faire un petit coup de propague. Tu as raison, il faut jouer un petit peu avec la propague, hachi. Ouais, affirmatif, c'est bien moi. Rémi, QRC de local, Dandy 33, opérateur Rémi, indicatif 14, Oscar Delta Romeo 002. Voilà, du forum, les zones du routier et aussi le mien, la planète Sibi francophone, plus le groupe internet sur Facebook, division 14 ODR. Ah, j'ai une petite montée de propag, c'est soit toi tu as baissé au niveau signal, soit j'ai une petite montée de propag, je sais pas, j'ai pas entendu. Quelqu'un peut me faire le QSP? Ouais, affirmatif, j'ai toujours enlevé ton QTH. Alors mon QTH, Sainte-Colombe. Alors 12 km sud-est de Saint-Émilion, 5 km nord-ouest de Castillon-la-Bataille. Ouais, QTH, Bazas, oui, il n'y a pas de problème, j'ai bien pris note, il n'y a aucun problème. Oui, ben ça passe bien. Et 14, Yankee India, 4-4, je l'ai sous la main. 14, Yankee India, 440, Jean-Luc, lui, il est sur quel secteur, quel QTH? Ouais, effectivement, ça passe par ici, là. Là, c'est comme, je vois, là, j'ai quelqu'un, là, qui me dit comme ça, là, sur Internet, faudrait essayer de motiver les troupes pour des QSO en AM. Là, ça nous est un peu compliqué, là. Je vois pas comment on pourrait, là, vu l'éloignement, là, des uns des autres, là, arriver à faire quelque chose en AM. Non, là, hélas, c'est pas possible. Mais alors, là, on n'a pas le choix ce qui nous concerne sur la Gironde. Puis en plus de ça, la Gironde, je crois, c'est le ou l'un des départements français les plus grands. Donc forcément, les uns les autres, on a encore plus espacé, là, que sur les autres départements. Et là, on n'a vraiment pas le choix. C'est l'USB, obligatoirement, pour pouvoir faire des QSO, là, ici. Hein. Ouais, je me suis décalé aussi, là, je l'ai récupéré pour vite redescendre, là, sur la fréquence. Ok, bah, ce coup-ci, c'est passé fort et clair. du coup, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait gaffe au signal, mais là, tu m'es arrivé avec une radio de 5. Tout le monde. Exactement, Eric.
Allez, allez. Ok, bon, bah là pour le coup, tout le monde s'est décalé. J'ai suivi derrière. Ok, je sais pas là du coup si Jean-Luc arrive à nous entendre correctement. Pour le coup, lui, ça va l'obliger à se décaler aussi. Ouais. Ok, voilà, je suis redescendu sur la fréquence. Oui, oui, affirmatif. Oui, oui, ça passe bien, là. Là, tous les deux, là, bah, du coup, Jean-Luc, tu passes même plus fort que Eric de Bazas. Alors, c'est pour dire que là, oui, ça passe bien. Eh bien là, ce soir, étonnamment, oui. D'habitude, il y a davantage de stations que ça. Il y a Jean-Paul qui est du côté de Saint-Émilion. Il y a Fabrice qui est sur le nord-ouest du département 24. Il y avait une nouvelle station là qui est sur le département 16, sud département 16. De temps en temps, il y a Daniel Senteur qui lui est sur Saint-Médard. On a aussi habituellement Chameau qui est limite département Gironde et département 24. On a commencé déjà je suis en train de chercher en même temps son QRZ. Ben justement là pas loin de Langon dans ces coins là non plus bas même je suis en train de regarder je le vois pas Belphégor, voilà, il y a Belphégor qui vient nous rendre une petite visite de temps en temps, mais là c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu. Hier soir, on avait Blaye. J'ai bouffé son indicatif. NOM qui est sur Blaye. On a eu il y a pas très longtemps Coco 33 et JFK qui sont du côté de Satellite Cudzac dans ces coins-là. C'est pas mal dispersé, quoi. Une fois, on a eu une station carrément sur un ou là de Saint-Émilion. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. C'était un mobile. J'ai l'impression que je dois en oublier, quoi. Je dois en oublier un ou deux là, il me semble. Retour Eric. Pas ça. Eh bien tiens, tu l'auras voulu, Hachi. 21h55 passé. Demain matin, je me lève à 4h.
Donc, eh bien, je vais devoir passer QRT, hélas, c'est bien dommage. Donc, je vais envoyer les... Toi, fallait pas me repasser le micro. Tu l'as voulu, tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Donc, je vais... là, je suis vraiment obligé de passer en QRT, car demain matin, à 4h, ça va piquer, là. Là, ça va être... ce matin, ça a été raide, mais ça risque de l'être encore un peu plus demain matin. Donc, les bonnes surprises, 51 à l'ensemble du groupe. Alors, les stations parties ou encore derrière, je sais pas. Alors, Philippe, 14RC021. Eric, 14 Victorico 27. Sylvain, département 31. Francis, 14 Mike Hotel, 3 petits points, je sais plus les numéros. Département 32. Eric, 14 Yankee India. 438 de Bazas, Jean-Luc, 14 Yankee India 440, 14 RCC 13 de la ville de Marseille, qui hélas a fait juste un bref passage. Nous, on ne l'a pas entendu de notre côté. Eh bien, bonne soirée à tous et à très vite sur les ondes. Voilà, mais je vous salue à tous, moi aussi, je vous souhaite une bonne fin de soirée, merci du petit contact, c'est vraiment sympathique, en espérant renouveler ça le plus souvent possible, et puis je vous dis bonne fin de week-end pour ceux que je ne rentrerai pas, et puis bonne continuation, n'hésitez pas à continuer et faites passer le message, car c'est quand même sympathique de pouvoir arriver à se retrouver comme ça, voilà. Allez, je salue tout le monde en groupe, merci à tous, la bonne soirée, c'était 14 Victorico 27, l'opérateur Eric, je vous dis à bientôt, bye bye. Merci, bye bye, et merci Philippe pour la partie technique, merci beaucoup à toi, merci à tous, bye bye. Ok, merci, bye bye. Bye, merci beaucoup René, c'est à bientôt, c'est Edith pareil, et puis moi je vais faire de même également là. Je vais aller me chercher un petit café et me mettre.